Japonais noir, un gros cogneur, spécialiste du strike. Il s'est illustré récemment au MMA grâce à 2 victoires. Alors sa dernière victoire était donc à Aroué, c'était face à un gros morceau, Bernard Teinaoré. Hein. Je pense qu'il avait terminé son combat par TKO. Voilà, et aujourd'hui il s'est donc qualifié pour ses demi-finales. Alors Inoua, pour une petite description de ce combattant, il pèse 119 kg, âgé de 35 ans, 1m83, spécialiste de la boxe thaï, on vous le disait. C'était aussi un rameur pendant plusieurs années. Ensuite, il a pratiqué aussi le jiu-jitsu brésilien. Et maintenant qu'il est avec Sfer MMA, bon, il se met un petit peu, il travaille un peu sans sol, un peu tous les domaines du MMA justement, ben, pour évoluer. Voilà, il y en a qui s'approche du coin bleu, dans l'entrée du coin bleu. Attention, salutations des coachs. Alors on vous le disait, un combat de lourd ce soir, puisque face à Rinohan, on retrouve le représentant de Moorea, Parouari Poutou, hein, qui est appelé Parosania, 1m88, 104 kg, 23 ans. Alors lui, son sport de prédilection, c'était la boxe. Et il est donc passionné de sport de combat. Il a, à mon avis, il a fait 3 mois de boxe. Et là, dernièrement, il a pratiqué pendant 6 mois le MMA aux côtés de Henry Burns, du côté de Moorea. Aujourd'hui, il représente son île, l'île Sœur, dans l'octogone de Fatawa. Voilà, et on est quasiment à 1300 connexions. Vous êtes 1300, plus de 1300 personnes à nous regarder ce soir. Nous vous remercions. Donc, on vous le disait, un dispositif léger ce soir avec un Facebook Live, en direct avec le téléphone, hein, pour ce dispositif de ce soir. Mais demain, je vous le rappelle, gros dispositif, toute l'équipe de TNTV réquisitionnée pour vous, justement, pour vous proposer les finales de demain soir. Alors je vous invite à venir demain soir, si vous êtes là, à venir nombreux. Il y aura un écran géant qui sera installé demain soir pour faire profiter tout le monde avec justement le combat, les combats qui seront diffusés et projetés sur l'écran géant par notre équipe technique de TNT. Voilà, nos deux combattants sont dans l'arène de Fatawa ce soir pour disputer ces demi-finales. Ce sera donc le 7e combat de cette soirée du championnat polynésie de MMA amateur. Voilà, je vous laisse profiter de ce combat tout en ambiance. Merci.
Tudo bem, tudo bem.
Yannick Hartmann, hein, qui officier, qui arbitrait donc ce combat. Pour ce septième combat, la décision a été unanime. La victoire revient au point rouge, Parawari Poutou. Ah, victoire de Parawari Poutou. Ah, et bravo, un nouveau combattant, hein, face à un combattant expérimenté. Apparemment, il a des touches un peu plus précises. C'est vrai que Enoa a quasiment cadré son adversaire presque la majorité du combat, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu plus de touches précises du côté opposé. Notre représentant de Moria qui remporte donc son ticket pour demain, pour les finales. Alors voilà, hein, on vous remercie encore. Vous êtes plus de 1500 internautes à suivre notre live ce soir. Je vous rappelle, un live qui est dirigé par notre ami Quentin Lacour, hein, pour ce live. Et Facebook, allez, tout de suite, on se rapproche de notre ami de Moré. Alors, comment ça s'est passé? On a vu que on avait un gros morceau quand même devant toi. Il te cadrait, mais c'est vrai que tu as été un petit peu précis dans tes touches. C'était quoi ton game plan? Ben, déjà de le feinter beaucoup, hein, pour qu'il croit que je viens le chier en takedown, alors que c'est pas ma spécialité. Mais je travaille dessus, ça va. Alors, Henri, on sait que c'est ton coach, Henri Burns, quelle était le consigne du côté du coach? Ben, de plus, donner, sortir, ne pas recevoir ses coups, parce que j'ai vu les vidéos, il en a mis deux KO, et je voulais pas recevoir ça aussi. Alors, il faut le rappeler, hein, les consignes du coach sont données en plein combat. Il y a le bruit de l'extérieur, il y a le bruit du frottement, en plus on n'entend pas bien, donc il faut vraiment être focus sur les consignes du coach. Hein. Comment ça se passe? Ben déjà on travaillait ça à la salle, il y avait les copains qui criaient et le coach qui disait les consignes, on s'est habitué maintenant. C'est important de travailler sur cet aspect du combat. Ben pour nous c'était important, je sais pas pour les autres. Hein. Apparemment ça a marché ce soir. Ouais, quand même. Félicitations encore, il représente Moria demain pour les finales du championnat de Polynésie de MMA amateur. On te suivra demain, Fight Auto pour demain.